Salut à tous et bienvenue dans la suite des aventures de nos deux petits frères, enfin nos frères, nos deux frères. Alors, grâce au troll, on est arrivé ici. Je pourrais pas trop dire ce que c'est cette caverne. Arrêtez d'inverser les côtés, ça fout le bordel, je vous ai dit. Alors, on a un mécanisme. Ok. Peut-être rien à faire au final. Un gros silo qu'il va falloir porter à deux. Ah. Il y a des trucs qui se poussent, c'est ça? Parce qu'il faut le faire passer. Ou alors il faut juste que je me synchronise. Bon, clairement, c'est pas là. Il est un peu... Ouais, je suis bloqué. Ah, ok, j'ai compris. On fait la même chose ici. Et par contre, où est-ce qu'on le met? J'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il faut en faire. Le foutre là-dedans pour mettre le bordel. Impec. On a de la chance, ça s'arrête vachement bien. C'est-à-dire... Attaque quoi? Ça peut se tourner ou pas? Il fallait que tous les deux tournent dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'espère que c'est pas limité dans le temps parce que voilà. Ok, bon, franchement, les énigmes pour l'instant, alors c'est le début, c'est normal, ne sont pas bien compliquées. Mais voilà, enfin bon, faut pas oublier quand même qu'il est sorti en 2013, mais il y a vraiment un certain charme qui se dégage de ce jeu. Alors, je te fais la courte. Mais du coup, je vais me retrouver tout seul. Il n'y a pas de corde. Non, pas bonne idée. C'était ça, mais il fallait que je monte moi-même. C'est pas évident, hein, tout seul, hein, en vrai. Ça me demande d'appuyer jusqu'à 4 touches en même temps, je suis pas prêt. Ok. Ah, il y a plein de trolls qui travaillent en bas à la mine. Alors, on peut descendre et aller voir des poissons.
On va faire ça. On peut les caresser les poissons, on peut les manger. Peuvent pas mourir quoi. Ah si on peut. Non d'accord, juste ils se mouillent un peu les. Et lui s'éclate. Ok, il y avait des escaliers là-bas. Qui nous permettent de monter. On va y aller du coup. Capture ce poisson! Peut-être qu'en haut on aurait été bloqué et que du coup c'est ce qu'il fallait faire, passer par là. Mais arrêtez de croiser, nom d'une merde! Ouais, enfin peut-être que c'était pareil. Ok. Alors on retrouve ce mécanisme qu'on connaît bien. Il faut s'accrocher. Alors là, il faut que j'appuie sur d'autres touches pour tourner la caméra. Ah ouais. Ok, c'est bon, ça va. Quelle touche dois-je lâcher? Oui, c'est bon. Une chance sur deux, mais bon. Eh bien. Le truc, c'est qu'est-ce qu'ils sont tous sympas comme lui ou pas? Ok, maintenant on va pouvoir passer entre. Attends, il avait l'air d'avoir un truc là-bas. Toi, t'es. Enfin, ils sont pas obligés de passer tous les deux par le même endroit. Oui, j'ai compris. Si on peut gagner un peu de temps, et peut-être qu'il peut le faire en une fois. Non, putain, t'es relou. Il passe pas. Mais j'avais tourné. Et il faut rester en fait. D'accord. D'accord, faut pas que j'arrête. J'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. C'est bon. Bon, du coup, j'ai pas d'autre choix que de lâcher. Voilà, je peux arrêter. Hop, hop. On va faire le suivant. Par contre, après. Tu peux le sauter, ça. Pas trop cool. C'est un peu. It takes two avant l'heure. Oh putain. Je me suis ambiancé, je me suis ambiancé. C'est bon. On y va, on y va, on y va. C'est bon. Ouais. Donc va falloir tourner vers là. Accroche-toi. Je t'ai pas demandé de raconter ta vie. Ok, cool. J'arrive. Pec. Ils sont habiles comme des singes, tout va bien. Allez. Ah franchement, j'ai trop du mal à me synchroniser, c'est un truc de fou. Je ne serai pas un bon musicien. Arrête de m'appeler et grimpe. Ok. Enfin, je vais à gauche, mais tant c'est à droite. Hein.
Donc en plus, c'est pas évident parce qu'il faut relâcher, réappuyer, vous voyez, orienter. C'est faire en même temps, c'est pas évident. Parce qu'en plus, on n'est pas habitué à jouer comme ça. Il y a un autre banc où on peut chiller. Et on peut profiter. Mais bon, on voit surtout ce qu'on a accompli et pas où on doit aller. Allez. Là, je dirais à droite. Cool. On va s'accrocher tous les deux à ça. Un, deux, trois. Wouhou! Ok. Oh putain! Bon, d'accord. Non! Fini là, non? Ouais. Alors. Oh, il est enfermé. Elle. On va aller lui chaparder la clé. On va utiliser le plus petit, hein. Alors, ça. C'est pour ouvrir. Ça. Ça va, il me voit pas de là. Oh putain, faut y aller tous les deux. Et en plus, les mecs, genre discrets, ils crient. Alors, faut pas marcher sur les eaux, j'imagine. Les animations, voilà. Bon, après, elle date de 2013. Super, on repart. Mais ramasse-la, putain, faut que je reste appuyé pour garder une clé en main, quoi. On prend son temps. Ok. Un seul suffit, non? Ouais. A l'air blessé. Tu m'aides pas? Et voilà. Et ben voilà. Un boss. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfermer? Suis perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu peux rentrer dedans? Non. Je peux la tirer. Pourquoi faire? Monte, petit con. Monte, bordel! Je m'énerve. Il faut l'emprisonner, quoi. Mais il peut passer, c'est ça? Je suis là. Bien. Merci.
désolé, mais t'es complètement con. Enfin, t'as eu un peu ce que tu méritais, quoi. Mais pourquoi? J'appuie pas là. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est-à-dire? Eh, on descend? Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Eh ben descends. D'accord. Tu peux, vas-y, tourne. Allez, oui, ça avait marché. Non. Voilà, je sais pas pourquoi, mais là ça marche. Ok, et elle va nous réceptionner, j'imagine. On est obligé d'être deux, donc on est obligé de d'attendre. Ah ben non, j'ai compris. Purée, je suis un gland. Elle sert vraiment à rien, elle, hein, contrairement à l'autre. Ouais. Ok. Eh ben merci beaucoup. Enfin, c'est toi qui devrais nous dire merci quand même. Ah, mais c'est son copain! Qu'à faire avec les chaînes. Ouais. Allez, c'est au petit de. Oui, chaîne. Oui, pour ouvrir la. Tiens. Viens, Tarlouse. Il est vraiment très très lent. Attrape ton putain de levier, mais qu'il est con. T'as une mission. Une mission, grand frère. Peut-être qu'il faut qu'il se lance. Qu'il va pas s'arrêter en fait. Il faut y aller à deux. Vous êtes sérieux là? Vous allez m'aider? Ah. Copain. Zog zog, Akita. Ça veut dire manger. Ça veut toujours dire manger, de toute façon. Ouais, donc en fait, nous on lui demande. Hé, hey, il est où l'arbre? Ah, ben il est par là, dans la mine. Bâtard. Hé, hey, maintenant tu me dis où il est. Et hey, tu veux pas que j'aille sauver ta grand-mère maintenant?
C'était donc ça la fin. Il va quicher dans le seau. Putain, mais qu'est-ce qu'il a chopé lui? Comment tu passes du jour au lendemain avec le quinfus en train de vomir dans un seau? Et t'as raison, allonge-le sur une table, il est tellement mieux que dans un lit. Quoi, il nous a vu? Mais c'est vachement bien ça, tiens. Les loups ont la dalle. Et lui, il peut prendre aussi une... Non mais je... Non, pas la main dans le feu, prendre une... Oui, tu peux pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, c'est bon, j'ai essayé. Ah, attends! Casse-toi! Net! Pouf! Comme ça! On recommence. Reste bien derrière. On peut s'accrocher au... Au frère ou pas? Ok. Le problème, c'est que si là je me fais attaquer par derrière, va falloir que. Ah, tu vois, je me trompe. Oui, qu'est-ce que c'est? Des gens pendus, quoi, carrément. Tu veux que je te fasse le feu? Tu veux que je te fasse le feu? Ouais. Reste près de moi, toi. Donc maintenant, on pend des gens devant les cimetières. Ok, cool. Alors, on peut sonner la cloche du village. On est attaqué! Il y a le feu! Arigato gozaimasu! Ohayo gozaimasu! Ok? Tu vas m'ouvrir? Toi, tu passes, non? Il va m'ouvrir. Il marche bizarrement quand même, comme un canard. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec ses... Ouais! Putain, comment je me débrouille? J'ai une coordination digne d'une loutre. Est-ce qu'on peut attraper ça? Ah oui, merde, c'est vrai, il sait pas nager. Faut qu'il s'accroche au frère. Eh ouais, j'y ai pensé qu'après. Heureusement que ça marche pas comme ça. Du coup, on se retape carrément. Aucun intérêt. Allez.
Oui, on la connaît. Yo. Venez m'ouvrir. Allez, à Ouais, allez. Open the gate. Ah, c'est pas possible, il s'est attaché un poids aux couilles. C'est pas possible de marcher comme ça. Ok. Yeah. Est-ce qu'on peut s'attacher à ça? Bon, descendre en rappel. Enfin, descendre en rafting sans rafting, c'est pas un peu dangereux? Bon, en tout cas, c'est vraiment sympa à faire ce petit jeu. Ah, ok, d'accord, il fallait aller là. Oui, quelque part, tant mieux. Moi, je voulais vraiment descendre. Un peu con aussi. Vraiment sympa à faire, certainement beaucoup plus en coop. Attends, Eva, parce que encore j'inverse. Non, arrête. Oh, mais il me saoule. Putain, ces gosses, ils comprennent que les claques, quoi. Si la caméra elle me fait des feintes maintenant. On s'accroche à la branche et on y va. J'ai réfléchi 3 heures. Attends. Attends. C'est toi le premier. J'ai réfléchi 3 heures pour faire ça. Mais ce fail de l'enfer, quoi. Allez. Donc là, c'est bon. Quoi? Je vais couper des trucs au montage, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Alors, petit, c'est droit. Mais tout ça pour ça au final. J'arrive, 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 mais tonnerre pas. Hein. Oh bordel. Bien. Bien, bien. Allez, vas-y. Super. Ça a l'air un peu fragile, ça, pour ton poids. Ouais. Ça a l'air aussi fragile pour son poids, en fait, à lui. Bah, au moins. Ah oui, d'accord. Eh, mais c'est-à-dire. Bon, on va s'arrêter sur tous ces fails. C'est bien, on a fait un bon épisode. On a sauvé un troll. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la suite des aventures des deux frères. Ciao!